Donc, on commence. Donc, par rapport à la modélisation, je parle mal à l'effet. On a fait la modélisation. Donc, ça m'a pour modéliser un schéma multidimensionnel. Nous aurons besoin de deux tables clés. Il y a table de fait ou table de dimension. Fait le schéma classique, fait la base de données opérationnelle ou elle est transactionnelle. On utilise le schéma en étoile, le schéma entité-association, où elle a le diagramme de classe. L'entité-association a la notion d'entité et de relation entre entités, ou a la notion de cardinalité. Et d'ailleurs, la base de données opérationnelle ou la transactionnelle. Par contre, fait la modélisation multidimensionnelle. Donc, on parle de la notion de fait et de dimension. D'accord? Vous voyez à gauche la notion d'entité-association classique. Ouni, fait le BI, fait le Data Warehouse, on parle d'une table centrale, liée à la table de fait, ou entourée par un certain nombre de tables qui s'appellent les tables de dimension, c'est les axes d'analyse interne. Ben, une table de fait, avec la table centrale, liée, chnou est l'objectif MTH? L'objectif MTH, c'est toutes les mesures et pour créer en fin de compte notre tableau de bord, pour que le décideur ait une idée sur l'évolution de l'entreprise MTO. Par exemple, je veux connaître l'évolution du chiffre d'affaires pendant les 3 derniers mois. D'accord? Ou je veux couler l'objectif MTI, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires égal à X. Les 3 prochains mois. Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une courbe, je vais lire la courbe, un chiffre d'affaires, on voit est-ce que j'ai atteint les objectifs intérieurs ou pas. La question qui se pose, chiffre d'affaires qui fait, je vais le calculer. Donc, pour calculer le chiffre d'affaires, donc je vais me baser à une formule x plus y sur z. Donc, les mesures, elles sont comme X, Y et Z, pour calculer un certain indicateur. Donc, elles sont comme les mesures, où on va mettre en table centrale. D'accord? Quand on a la table centrale, on va mettre le X ou l'Y ou Z qui vont me permettre de calculer l'indicateur 1. OK? Donc, je vais calculer le chiffre d'affaires en fin de compte, à la fin. Je vais avoir un rapport, le chiffre d'affaires par mois, donc qui dit mois dit date. Je veux calculer le chiffre d'affaires par employé, par vendeur, le chiffre d'affaires par ville, par magasin, par rythme, à quelle part, par. Réellement, ce sont les axes d'analyse, les dimensions MTI, l'analyse MTI. Mais, donc, je me rappelle très bien, donc, la question de la diapositive est je crois qu'on a la notion, fait le schéma MTI, on a la notion de mesure ou dimension ou fait. Et la mesure, on veut l'analyser à quelle mesure il s'est passé quelque chose, on veut le mesurer, maintenant, en fonction du temps qui fait chez quelque chose qui a évolué, qui fait qu'elle a évolué, une certaine analyse. Donc, je vais faire l'analyse de la mesure radicale en fonction d'un certain référentiel. Donc, le référentiel, maintenant, on dit axe date, axe région, axe employé, donc les différents axes d'analyse intérieure. D'accord? Donc, si je veux résumer, une coule un fait, le fait vente, on dit un fait vente, fille, un hypermarché, une vente pour un client à une date bien déterminée. Donc, c'est un fait que je dois mesurer. On coule en fin de compte, avec un ticket de caisse, par exemple, il dit, chnou total d'achat, il dit quelle est la mesure que je vais calculer. Donc, total d'achat, c'est un fait, c'est un événement, le vente, l'issage, je vais mesurer le total d'achat en fonction de quoi? Par client, par date, je me kiffe, le total d'un ticket, par produit, ça dépend du niveau de détail, tant je vous par la suite. Donc, pour modéliser un data warehouse, nous aurons besoin de 3 schémas. Kulwehed, il est à l'aise où? Donc, ça m'anesse pour modéliser le data warehouse, le schéma en étoile,
ثم دوتر يستعملوا لو فلوكون نيش وثم يستعمل لي دو ايطوال اي فلوكون صاف دير لو موديل اون كونستيلاسيون بي اش معناتها الايطوال الايطوال الى سيت فورم عندنا اون تابل دو في سنترال و انتوري بار دي ديمونسيون سي لو شيما لو بلوز يوتيليزي داكور بار كونتر لو شيما اون فلوكون il a cette forme là kif kif qu'il a dans la table de fait centrale où on a les dimensions mais par contre chaque dimension elle est en relation avec d'autres shmanata ena huni huni table de dimensions elle n'est pas en troisième forme normale elle n'est pas normalisée par contre ici je parle de dimensions normalisées ça veut dire quoi je vais prendre l'exemple là Andy, regardez l'exemple Heda ou elle plutôt. Est-ce que j'ai un autre? Ben, regardez le schéma en flocon Heda. Andy, la table de fait vente. La vente, donc, Schnau, les mesures, les Andy. Andy, la quantité vendue. Kadesh. Bête. Men produit, l'axe produit, par date, d'accord? Pas pour chaque, pour quel client, par ville, d'accord? Donc, réellement, on dit les ventes par client, par ville, par date et par produit. Trouvez l'ichna ou madame, la catégorie ou la région. Nous disons comme elle, ben, n'est-ce la vente, c'est par ville, mais une ville, d'accord? Elle se trouve dans une région. Donc, Ena, au lieu de tout mettre dans la ville, j'ai rendu la table ville normalisée ou à mettre une clé étrangère ID région, Arbata, de dimension région. Par contre, Kenarja Alhouni, j'ai un autre schéma. Je n'ai pas mis le schéma. B. Dites-moi, à votre avis, qui fait Shadia, la ville ou la région, Bishnahiha. Je vais la dénormaliser. Qui fais-je toi, Ali? La région, pas la ville. La ville, c'est la région. La ville, c'est la ville. Il y a idée ville. Nom de la ville, idée région, ou non région, ou le pays, le Kulham Maujoud dans une même dimension ville. Femtouni, je n'ai rien. Les madame, oui, mais je vais prendre. C'est pas évident là, on fait le cours de modélisation en même temps, mais bon, je vais essayer quand même de rajouter un tableau. Donc là, c'est une table. Donc, Huni, Bichankulu, Ahna, vente. D'accord? Je vais prendre, je vais éclater, je vais ajouter. Ville. Donc là, je mets idée ville. Non. Ville. Idée. Région, d'accord? Non, région. Je vais rajouter ID pays. Ou non, du pays. C'est le pays et région, madame. ID pays, non pays. Là, c'est bon. C'est bon? Là. Attends, je vais t'expliquer. Juste laissez-moi juste le temps où on bade, on va discuter le contenu. Donc, il me faut une dimension aussi date. Des dates pour la clé primaire, je vais mettre jour par exemple, mois et année.
Je ne vais pas prendre toutes les dimensions. Je vais analyser, par exemple, là, il me faut la dimension produit. Idée. Produit. Nom. Désignation. Produit. Idée. Catégorie. Ou non. Intitulé catégorie. Donc, amène les ventes par ville, par date et par produit. Bon, c'est suffisant. Fais les ventes, puisque là, je vais avoir quelles sont les mesures, les pchnardmois. Par exemple, le pchnardmois à chiffre d'affaires ou la quantité vendue. OK, je peux mettre bénéfice, mouche. D'accord. Donc, je vais calculer les mesures à Douma. Donc, forcément, les mesures par rapport aux axes d'analyse à Douma. Donc, puisqu'on dit trois axes d'analyse, je vais avoir trois clés étrangères, les Douma, idée ville, idée date et idée produit. Donc, je vais mettre, comme d'habitude, je vais mettre un dîme entre les dièses. Pour dire qu'il s'agit de clés étrangères. Et d'où ma bichonsatra alliant? Pour former la clé primaire. La clé primaire. C'est une clé primaire qui est composée de trois colonnes. Ou quelle colonne maintenant? C'est. Une clé étrangère qui n'est pas de l'ocre. D'accord. Ben. Fait la modélisation, on le verra tout à l'heure. Donc, on va mettre PK, d'accord, pour primary key. Oui, en général, juste pour simplifier, je mets PK, FK. Tu as dit PK, FK? Primary key, foreign key. Foreign key, c'est ça. Oui. D'accord. Donc, un outil que tu as chargé ou tu as sur Internet craqué, tu as mis la modélisation. Ça se trouve le PFE éventuellement. Mais c'est une conception très simplifiée. Tu as mis le PFE plus en détail, tu as mis le PFE. Ben, on va ajouter juste les liens. Madame, les liens. Hein? Les tables, ville ou le produit. Les pays, on n'a pas besoin du nom du pays normalement. Juste, je vais insérer. Mais relation mabinette ou narjal, d'accord. Je vais ajouter la troisième relation. Ben, ça va le schéma entier. C'est bon. Donc là, exemple de schéma en étoile. Je colle tout le monde. Quand il fait la ville, ça m'a idée ville ou un dit le nom de la ville. Il dit pays ou non pays. Il dit pays, le Bestorbot n'est peut-être même pas qui passe. Oh, la belle pays, entité pays. Attends, t'as vu, il dit qu'il y a les chambres. Voilà, le produit. Kiff le produit ou kiff la date aussi. Très rare. Annie, j'ai été comme exprès. Ben, je vais dupliquer le schéma. Je vais le mettre, vous allez voir pourquoi par la suite. En étoile, ou en flocon. Flocon. Flocon de neige. On va faire toutes les modifications nécessaires. Mais, en étoile. En étoile. En général, qui s'annonce dans le schéma
la modélisation d'une base de données de production classique, nous avons le schéma entité-association, toutes les entités doivent être en troisième forme normale. C'est qui n'a qu'une ville, puis on ne peut ville en plusieurs parties. Qui m'a dit que vous avez la ville, réellement, vous avez la ville, vous avez la ville. قولوا لي ليه راهو فيل علاش الفيل علاش نلقى في النون اذا عندي اي دي وعلاش نلقى في النون بي علاش اذا عندي اي دي بي داكور انا هذه اون ديغي عندي في الكلاسيك اللي تعرفوها الباز دوني كلاسيك كانكم عندكم 3 تابل اون تابل فيل اون فيل elle appartient à une région et une région elle appartient à un pays. D'accord. Donc, si je veux éclater cette ville, il zemni nemchi houni, ou je n'amel. Kharaj le pays wahdou le région. Kharaj yatik el saha. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je n'amel, je n'amel, je n'amel. Elle ville, je n'amel, quelle idée région fia. Je vais supprimer ça. Ou houni, je n'amel, elle région. D'accord. Rodha houni c'est région, d'accord. On harri kif kif nkhalli hadi ram contrôle c contrôle v nhabatha on khalli fiha l'idée pays nahi hada w hadi rodha pays Donc, madame, on a le même principe, la même philosophie, la solution numéro 2, l'exercice de la semaine ou le mois. Effectivement, bien sûr, bien sûr. Alors, dès qu'on a fait tout comme l'exercice, il résume le tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dénormalisé, j'ai normalisé quel schéma, quel schéma en étoile, fi kol chay, et table heavy, je l'ai normalisé. Donc, je vais insérer, bien sûr, les relations. Mais bien, il y a une relation ici. Ou une autre relation ici. Donc, réellement, je vois le schéma en théorie. Voilà, ça, c'est un schéma en flocon de neige. En flocon de neige, à la khatr, toutes les dimensions en théorie. Mais le produit, ils ont mis en place. Donc, le produit, donc, elle doit être normalisée. Donc, je vais faire, je cite une autre dimension, ça m'y a une catégorie. Quelle catégorie, donc, je vais laisser idée catégorie, je dois aller bien sûr, clé primaire. Ou là, je vais supprimer l'intitulé. Ou je vais rajouter une relation qui m'a haka. Donc là, j'obtiens un schéma en flocon de neige. D'accord? Là où les tables intérieures sont normalisées. Et là, il y a le farak, mais bien, le flocon de neige ou l'étoile. C'est bon? Oui, madame, c'est très clair. Oui, c'est bon, clair. Ben, donc, quand on a le choix entre étoile et flocon de neige, en général, les gens utilisent le schéma en étoile, d'accord. Alech, à la khatrafie, des avantages, bien sûr, et des inconvénients. L'avantage de ta schéma en étoile, c'est que, qui fait chikoulouha, il rattachna les jointures. Si je veux avoir une information par rapport au pays, je dois faire plusieurs jointures, mais bien la ville ou la région ou le pays, ou bien le produit ou la catégorie. Par contre, le schéma en étoile, je n'ai pas de jointure. J'ai une table centrale marboutable des dimensions. Ça, c'est l'avantage principal d'un schéma en étoile. Secondo, la modélisation, il faut faire attention par rapport à quelque chose. Il y a la taille de la table de fées. À la taille de la table de fées, c'est la table centrale. Elle peut contenir des millions d'enregistrements. Donc, par la suite, ce choix du grain,
au niveau de la modélisation. T'en as rejoué là. Ben, donc ça c'est un exemple. Donc rejoins à l'étoile ou flocon. Mais c'est le schéma en constellation. Quand tu as le schéma en constellation, c'est quoi? C'est réellement deux schémas en étoile. Ça, c'est table de fait de vente. Ou on dit un autre processus métier, il est où à l'achat. D'accord? Deux process complètement différents. Ama, on a des dimensions communes. Mathalan, une dimension commune. On y a la dimension date ou la dimension produit. Donc, maoujoudine, que ce soit fait le vente ou fait l'achat. Donc, je dois lire, on obtient qu'il y en a deux process dans des dimensions communes. On parle de modèle en constellation. Le modèle en constellation, on a deux process ou la n process dans des dimensions communes. OK? Donc, ça, c'est ce qui est l'étoile ou le flocon de neige. On vient au processus de modélisation d'un data warehouse. D'accord? Donc, pour la modélisation d'un data warehouse, on a des étapes, d'accord? Pour le processus, on a des étapes par lesquelles il faut passer. Bon, les étapes, tout le monde, comme je peux les garder, mais tout le monde, raisonnement, je m'en ai dit. Ou l'étape NNJ, on coule N, bien sûr, je suis parti, mais le besoin, tu as décideur, qu'est-ce qu'il veut réellement? Il veut avoir une vision globale sur son entreprise. Il va vous donner un certain nombre d'indicateurs que vous devez modéliser. Les indicateurs, comme tout, vous les triez. Donc, vous avez le process 1, le process 2, et le process 3. Donc, il faut les regrouper par process. Donc, vous avez vous allez extraire le besoin d'un décideur et les process métiers et les tenages de modéliser. En général, les process, moi, je qui m'a les exemples natifs, de vente, et d'achat, et de ressources humaines, c'est des exemples classiques. Mais il y a des fois où la distinction elle n'est pas évidente. Ça, tu as le cas l'indicateur est dans le process, RH ou la on fait le process, un autre process. Donc, ça, c'est un choix. D'accord? Ben, donc, la question, il faut sélectionner l'ensemble des processus métiers à modéliser. Quels sont les process? Ou si le process, quels sont les indicateurs que je vais mettre? Et donc, on va d'accord? Donc, je vais hésiter le com. Donc, fait le processus métier, on va modéliser quoi? Quel est le processus métier qu'on va modéliser et qu'est-ce que réellement on va mesurer en termes d'indicateurs et en termes de mesures, d'accord? Mathalan, quel acte est mesuré? Mathalan, on dit une vente, une commande, on dit un processus, un voyage, donc chnoua l'activité de l'entreprise, d'accord? Ben, le choix du process est fixé par les décideurs et les responsables opérationnels. Donc, en tant qu'informaticien, une modélisation, mais en même temps, vous allez avoir l'aval par les décideurs. Je vous donne un exemple. Par exemple, récemment, j'ai travaillé sur un projet Majmet Vital. D'accord, Vital, il y a bien les vitamines. D'accord. Donc, Ortelli et Ben, ils voulaient mettre un système décisionnel à le système d'information Tehomel Kol, puis ils ont un système décisionnel où ils veulent mettre un data warehouse. Donc, Ben, où est-ce qu'il y a Tiki qui dit que là, les indicateurs les HTI Tehomel Kol, là le RP, là les indicateurs, et les Tehomel Kol, y a-t-il les indicateurs. بعد بقى هو فاهم السيستم تاعو انا اون طونك انفورماتيسيان مانيش فريمون ملمه بلي ديتاي نتاعو دونك انا شنقول خديت لي زانديكاتور الكل جو لي زي روغروبي هكا لي زانديكاتور هذا نتاع فونت هذا اشا هذا ما نعرفش ريسورس هومان يا في ا ببري 5 او 6 بروسيس ا موديليزي من بعد افيك دون اون ريونيون اي جي اكسبوزي لي ديفيرون بروسيس لي انا ريتهم موجودين. Donc, il faut prendre l'aval du décideur. Donc, Hadaramana, directeur général, où il a validé avec moi les différents process. C'est bon. D'accord? Une fois qu'il a validé les process, donc, comme la modélisation, ça veut dire quoi? On analyse les sources, est-ce que les données MTO sont aujourd'hui, est-ce que les données MTO sont fiables ou pas? Est-ce que les données MTO sont aujourd'hui, plusieurs valeurs nulles?
Donc, il y a qui je l'exploite, pour le moment des informations pertinentes. Donc, il y a comme tant que en FTP. D'accord? Donc, il y a qui fait, je dois analyser les sources. Qui fait une charge les données de Data Warehouse, il s'en fout, le décideur. Benesbali, si tu fais le point par rapport au processus métier, ou en bas, Benesbali, il valide le cas de la carte et les rapports que tu as générés. Donc, le processus, le processus de sélection du processus métier. D'accord? Ben, tu as une deuxième étape, il y a la définition du grain du processus métier. D'accord? Et il y a la chose la plus délicate, en arrière. À la chatter, même si y a moi, en état où dit maman, la modélisation, maman, t'as pas jamais fait ça bien, ou t'as pas le temps quand même. Allez, l'étape hédia, elle est un peu délicate, hata pour moi aussi, rao, kif kif. Allez, à la chatter, le choix du grain, il n'est pas mouche saïd. Je m'attends à ou l'haja grain, c'est le niveau de détail. D'accord? Et comme à l'imine, un exemple de ticket de caisse. تقول انا تيكيت كاس كيما قلت تقول لكم في الاخر ريتو هالفلاش هذيا داكور ثم شكون يقول لك انا النيفو دو غران النيفو دو ديتاي لافورماسيون كو جو في ريكوبيري سي لو توتال دو تيكيت كاس توتال قداش انا اللي يهمني لي كليان قداش شرا داكور قداش عملت شيفر دافير نحسب على لي كليان الكل ونكالكل الشيفر دافير ثم حد اخر يقول لك لا انا جو فو كالكولي le montant de vente par produit. Les clients, quel produit a acheté. Et détail, il y a plus de détails. Vous c'est un total sur tout le produit, indépendamment des produits. Par contre, vous avez un grain plus fin. C'est clair? C'est bon? C'est clair, hein, madame. C'est clair, madame. C'est bon. Donc, le fait, c'est le mouchkla. Par défaut, tout machin, je trouve. Tiens, n'a pas de niveau de détail le plus fin. Après tout, me dit détail le plus fin, je peux calculer maintenant le total du ticket de caisse. Il en a les ventes par produit. Je me calcule le total. Logiquement, c'est ça. Sauf que, quand je calcule, je sauvegarde toutes les informations, toutes les lignes du ticket de caisse. Par client. Imaginez, par exemple, que Carrefour, qu'adèche, elle a un passage en caisse. Par jour. Des milliers de. Moi, je suis grande. Imaginez le nombre de passages en caisse par jour. Et quand je dis, moi, je ticket ouéhet. Quand notre le détail, on t'a ticket. Mais tu vois, par ligne, le ticket de caisse. Par produit. On va atteindre les millions par jour. Par produit, madame. Il y a un autre niveau de produit. D'accord? Donc, on y allez, je vais vous dire, l'étape saine, elle est un peu délicate. Quel est le niveau de grain que je dois sauvegarder cette table de fée? Allez, dès qu'elle est comme table de fée, c'est la table centrale. Elle est taille de la table de fée. Ou qu'elle est juste, je sauvegarde des millions d'enregistrements. Que dois-je dire pendant des années? Taïm Talbas, je suis toi. Donc, elle. Fais l'historique. Bien sûr, on dit l'historique. Mais elle, je trouve. Elle, niveau de détail inutile de sauvegarder des informations qui ne sont pas pertinentes pour le décideur. À la chate au risque, je suis un cabre de chef de taille. Bon, c'est vrai que tu as en ce moment avec le cloud où on n'a plus de problème de sauvegarde d'informations, d'accord, mais il faut penser au temps d'exécution des requêtes. Au niveau du Data Warehouse, on le verra plus tard, il faut optimiser le temps d'exécution des requêtes parce qu'une requête, elle peut prendre des heures et des heures. La performance, oui. معناتها مادام يزمي انا نخمم باش نصغر الماكسيموم بوسيبل في التابل دو في نتاعي. نو سي يفو شوازير لو جوست ميليو خاطر انت كان قد ما اذا تنقص سي كو تو ريسك دو باسي اوتر دي انفورماسيون امبيرتينانت دونك انت ايش تقول يلزمك تعرف اكزاكتومون كيل اي لانفورماسيون دون تو اورا بوزوان داكور مي يلزمش لا اقل
أقل tu n'auras pas les données, tu n'auras pas l'information nécessaire aux décideurs. Ok, mais tu auras la tendance au risque que le système MTAC sera très lent en termes d'exécution. D'accord. Donc, il faut agréger les données. Si dans tous les cas, tu vas avoir des agrégations de données. Agréger les données, ça veut dire on va avoir des fonctions de calcul. On a des fonctions AVG, max, min et les fonctions de calcul. Donc, dans tous les cas, tu vas les avoir. Mais il faut avoir des techniques d'optimisation par la suite. Les techniques d'optimisation, il y en a plusieurs. Ça m'a la fragmentation, ça m'a les vues matérialisées, ça m'a les index. Ça m'a plusieurs techniques. On va avoir une partie le cours par rapport à l'optimisation des requêtes dans un data warehouse. D'accord? Donc, premièrement, il faut choisir le processus à modéliser. Donc, deuxièmement, il faut choisir le niveau de grain. D'accord? Au niveau de grain, mais l'ouel, je n'ai pas des difficultés, mais moi, en bas, avec la manipulation, tout est évident. Troisièmement, bon, là, c'est très facile, l'identification des dimensions. Et nous, les dimensions, je veux calculer le chiffre d'affaires. OK, le chiffre d'affaires, par rapport à quoi? Par rapport à la date. Alors là, date, il faut l'avoir ici. Je veux calculer, par exemple, le chiffre d'affaires par produit. Et je vais avoir le produit, le magasin, l'entrepôt. Et nous, les dimensions, je vous explique le schéma. Je vais avoir 4 process. Quel process? Quelles les dimensions? Et les pchnaqa, on fait le process. Maintenant, fait le process prévision, je vais avoir la date et le magasin. Fait l'achat, je vais avoir la date, produit, entrepôt, fournisseur. Livraison, je vais avoir la date, magasin et entrepôt. Donc là, c'est le schéma Hedel Namlouf, FI, process et axe d'analyse. D'accord? Donc ça, c'est évident. Maintenant, il y a troisième étape. Quatrième étape, il faut identifier l'effet interne, chiffre d'affaires, bénéfices, quantité vendue, toutes les mesures, les retours en fait table de fait. D'accord? Donc, il faut identifier l'effet. Les faits doivent être numériques. Voilà. Donc, une remarque, j'attire votre attention sur un point, c'est qu'au niveau des dimensions, les dimensions, les champs internes, en général, si ce n'est pas tout le temps, c'est des chaînes de caractères. Région, les champs terre-alcool, chaînes de caractères. Produits, les champs terre-alcool, chaînes de caractères. Kenji fait table de fait, les mesures en terre, c'est des mesures numériques. Les ID, l'ID est à la roue. À part les ID, les colombes doivent être numériques. D'accord? D'accord. Ben. Ça, c'est un exemple donc, de schéma en étoile. Donc là, je vous ai donné pas mal d'exemples. Inventaire dans un magasin, donc les ventes, un exemple de processus vente. D'accord? C'est un schéma en constellation là où on a donc le vente ou le stock. Ou la minéra m'abadna, vente ou stock. Ou le khayna, ça m'a des dimensions communes, telles que la date, par exemple, et le magasin et le produit. Donc, c'est des dimensions communes. On a dès qu'on termine un schéma en constellation. D'accord? Donc, les concepts avancés, Rouni. Donc, les concepts avancés, donc, c'est bon de les connaître, mais bon, Michel, je vais vous rapidement. Nous, normalement, qui est à l'heure, donc, on a fait les mesures, on a fait la table de fait, mais on a fait trois types de mesures. Ce qu'on appelle les mesures additives, semi-additives ou non-additives. Je m'en étais les mesures additives. C'est le meilleur des cas, les mesures additives. Donc, on aime beaucoup les mesures additives. Je m'en étais, les mesures additives, elles peuvent être agrégées selon n'importe quel axe. Maintenant, on a des mesures. Ça m'a des mesures qu'on peut agréger par rapport à certains axes, par rapport à certaines dimensions. Ou ça m'a choukoun. L'agrégation par rapport à toutes les dimensions. L'additif, par exemple, je veux calculer le montant de vente. Le montant de vente, par rapport à tous les axes d'analyse, par rapport à la date,
montant de vente par rapport à la date, par rapport au produit, par rapport au client, par rapport aux axes d'analyse et le col. Donc, en gros, c'est une mesure additive. D'accord? Si je prends, par exemple, le cas d'un solde de compte. Et solde de compte, il est agrégeable uniquement par rapport au client, mais on ne peut pas l'agréger solde de compte par rapport au loart. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'il roule au solde de compte, qui n'est pas solde de compte en tant que client, d'accord, maintenant, pendant le mois de juin. Ça n'a aucun sens. C'est bon, il y a un solde de compte, c'est par rapport au client. Qu'est-ce qu'il y a dans le compte inter. Donc, il dit que je m'arrête à additive ou semi-additive. Additive, c'est tu peux l'agréger par rapport à n'importe quel axe ou une signification. Par contre, Kiner vous dit ma semi-additive, manajam chnagréji, par exemple, par rapport à la date. Il voit les soldes de compte, ma andou hata ma'an. Kiner, par exemple, le pourcentage, un pourcentage, par exemple, ou là, un caution. D'accord? C'est non-additif. Maintenant, je t'agrégis par rapport à aucune dimension. Le meilleur des cas où les habdou, cette table de fait, il faut avoir de la mesure additive. De préférence, il faut essayer de mettre des mesures additives. Il y a des fois où on met du semi-additif, mais vraiment, on ne le conseille pas. Du nom additif, mais la D'accord. Madame, ça qui nous a dit que nous avons mesure semi-additive. Qui fait le calcul de la mesure avec il faut que je parle des trois types de mesures, mais en général, dans Data Warehouse, il faut. J'ai pris l'exemple de la solde de compte. Solde de compte, la notion de semi-additif. Mais si le compte ne peut pas trouver dans Data Warehouse, jamais de la vie. Allez, c'est la barche. La réponse, c'est la. Allez, je vais vous انا قلت لكم كي نعملوا موديليزاسيون تاع داتا وورهاوس ثم اون ديمونسيون بريمورديال نلقاوها اللي هي شنو دات هي الدات اللي هي الدات دونك لا دات يفو لافوار سولد دو كونط ما نجمش نحطو على خاطر جو نبو با لاغريجي بارابور على دات دونك ما نحطوش سولد دو كونط في تابل دو في مي جو بو تروفي دوتر ميزور اللي يكونوا سمي اديتيف يا با كو لو سولد دو كونط qui toute autre mesure fait table de fait mais c'est une mesure que tu ne vas pas agréger par rapport aux différents taxes mais tu as dit que tu vas agréger le tableau de bord la mesure a dit que tu as axe mais tu ne vas pas agréger ok merci mais non l'additif ne t'a pas et tu ne peux pas l'agréger par rapport à n'importe quel axe, allez, je te fie. Ça n'a aucun sens. D'accord. Donc, ce type de mesure, donc ça, c'est une question, donc Maujouda. Fais les mesures, donc notion, mesure et attribut, donc rapidement, je passe. L'attribut, tu as fait dimension, la mesure, tu as fait table de fait. Donc, c'est le récap. Voilà. Donc, table de dimension, on ne parle pas de mesure, on parle d'attribut. D'accord? Et la table de fait, on parle de mesure. D'accord? Ben, les dimensions confort. D'accord? C'est une dimension, dimension confort, c'est une dimension qui est partagée entre plusieurs tables de fait. On a parlé de schéma en constellation, ou qu'on fait schéma en constellation à la table de produits qui est partagée par le processus vente ou processus achat. Réellement, table, c'est une dimension conforme. Elle est partagée entre deux process. Mais, dimension temporelle, maroufa, donc c'est la dimension date. D'accord. Ben, hey, vous n'y marquez plus comme sur Bilika à la notion d'hierarchie.
c'est important, خاطر باش نرجعوا لها الهيراركي plusieurs fois, باش نرجع الشيما هذا. وني on parle, تجموش تقولوا لي c'est quoi l'hierarchie هوني. هيك قدامكم موجوده الهيراركي. يعطيك الصحه. Ville, من الville نعرف الريجيون ومن الريجيون نعرف البيي, c'est une hiérarchie. D'accord? من البرودوي نجم نعرف الكاتيجوري, دونك عندي هيراركي. في الدات aussi. J'ai une autre hiérarchie. Mais date. Donc, nous avons le 22 novembre 2020. Mais date, je peux connaître le mois, je peux connaître l'année, je peux connaître le trimestre. Ça m'a fait date plusieurs hiérarchies. Ça dépend maintenant, on attend plus tard. Mais vous faites dimension date, nous avons une hiérarchie. L'hiérarchie, nous avons un jour, mois, année. L'hiérarchie, c'est une date, nous avons trimestre, trimestre, année. نجم نلقط نوتريغاسي تما ياخذوا 4 mois داكور 4 mois année تما بلوزيغ هيراركي في الدات هذه هي لا نوسيون دي هيراركي اللي هوني في ال 87 ديابو 87 هذه هي اللي حكيت عليها كتلاحظوا هوني عندي ريتوها مجوف جو كوني لا سيمين جو كوني لو موا لاني في الوقت كيف كيف je peux connaître la seconde, mais seconde, 9 minutes, heure. D'accord? Donc, il y a la notion d'hierarchie et dimension temporelle. Je peux aussi parler d'une dimension dégénérée. Alors, je ne sais pas si je suis en train de me dire, mais je ne sais pas si je suis en dimension conforme ou la dégénérée. Mais il y a un devoir, c'est quoi une dimension conforme? Il y a un schéma où on atteint les différents types de dimensions, par exemple. D'accord? Donc, il y a des dimensions dégénérées, il y a des dimensions conformes et ainsi de suite. D'accord? Donc, fait dimension dégénérée, ça veut dire quoi? La dimension dégénérée, c'est une clé de dimension, c'est une clé primaire, c'est un identifiant d'une dimension dans la table de faits. D'accord? Il faut que je dise, je m'en ai dit, je vais trouver une table de faits. Je dis bien, une table de faits. Je vais trouver un identifiant ou un identifiant. Mais réellement, ma t'as pas cette dimension terre. Ma t'as pas cette dimension terre à la jnab. Allez, à la chatte dimension terre, ma t'as pas fait à chatte autre attribut que la clé primaire. J'en coule au wahna, on coule au rahou, la dimension, elle a dégénéré dans la table de fait. D'ailleurs, regardez ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Vu qu'il s'agit d'une seule clé de dimension, ma t'as la dimension terrifiée, une seule clé. Donc, nous évitons alors de créer une table de dimension, ce qui fait que cette table de dimension a dégénéré dans la table de fait. D'accord? C'est pour cette raison que cette clé est appelée dimension dégénérée. C'est clair? D'accord? Oui, c'est clair. Mais, donc, je vous ai ici donné un exemple. Par exemple, Nam, c'est bon? Shkuna, il a posé une question. Ben, donc, il n'y a pas de question normalement. Les dimensions, donc, je vous dis comme le marali fait, je vous dis comme dans un data warehouse, on ne fait pas de mise à jour quand vous dites. On a un data warehouse qui permet de sauvegarder les données, ou les données en général, c'est des données en insert, donc on rajoute des données. On ne supprime pas et on ne met pas à jour les données internes. Rare. Sont les fois où on met à jour les données internes. Mais ici, si on veut supprimer une donnée, en général, pour supprimer une donnée, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a un flag, on a une donnée, elle n'est pas, elle n'est plus à jour, par exemple. D'accord? On a une donnée 0 ou 1, par exemple, quand on a 0, elle n'est plus d'actualité. Exemple, on ne supprime pas. Fait la mise à jour, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs types de mise à jour. Donc, les SCD, on parle de SCD, les Slowly Changing Dimension, ça m'a trois types. Donc, on a parfois, donc on a besoin de modifier les données d'une dimension. D'accord? Brabi Semhouni, juste une seconde, je reviens vers vous, Semhouni.
اللي سامحني جماعة قلت له على البروف نتاع البيك داتا انا ما حفظتليش لا هكا انت باش تقول لها ايميل قلت لها راه لي ديتاي الكل عند ايميل دا انا خدمنا عشان او لا لا اكيد تفهم عطيتها غروسو مودو شنو قال ما انت زيد ديكورتي كيف خاطر هو يصنع في الباك نتاعها هي وفي الباك نتاعنا احنا راه هذيك شنو ما نعرفش شكون قال لها هكاك حسي لو انا قلت لها انا قلت الو وي نسمع فيك مدام اون ريفيان دونك بار رابور ا لا موديفيكاسيون دي ديمونسيون دونك قلنا في الموديفيكاسيون دي دوني دونك في ديمونسيون دونك لي ديمونسيون نو سون با ايموابل سا فو دير كو لي اتريبيو نتاعهم peuvent changer, mais qui m'a قلت لكم en général معناتها نعملوا des modifications mais vraiment, elles sont rares, les modifications. Donc, on a trois types d'évolution sur les dimensions. Donc, on parle de trois techniques. Donc, sur les dimensions, je parle de dimensions à évolution lente ou ça même les dimensions à évolution rapide. Je m'attends à évolution lente, je m'attends à dim. D'accord? Je vous donne un exemple. Maintenant, on coule l'insène hera, qu'en, maintenant, les personnes, ou on dit l'état civil, les personnes. كان مثلا ماريي ولا سيليباتير معناتها مش ديما تتبدل لك الانفورماسيون هذيك والا جو برون لو كا نقول مثلا في ناخذ ليكزامبل نتاع امريكا الناس يبدلوا برشا من السكنه نتاعهم مش ديما في نفس البلاصه يقعدوا دونك تقولوا ديمونسيون هذيك لادريس الي ا ايفولوسيون رابيد تتبدل ديما تصير لها بلوزيغ فوا لا ميز اجور Donc, c'est un exemple de dimension à évolution lente et à évolution rapide. Donc, quand on est lente, on a trois techniques. Type le ouleni, qu'est-ce qu'on fait? On écrase. Donc, quand on chouffe, on dit un produit, on dit le nom du produit, la pas malin, ou moujoud, la pas malin, c'est le rayon joué. Après, la pas malin, on a une mise à jour, ou on a dit le rayon boucherie. Donc, on a écrasé l'ancienne valeur ou badalnaha bel la nouvelle valeur. D'accord? Ben, j'attire votre attention sur un point, tant que je vous plusieurs fois. Quand vous avez fait dimension, on a deux clés. La clé primaire, quand vous avez fait le clé primaire, vous avez juste fait le primary key ou vous avez plus tard fait le clé primaire. La clé primaire, on a deux types de clés. Regardez, on a clé produit ou code produit. Mais je vous dis que le différence entre les deux à votre avis. Forme le business key ou forme le clé qui vient de data source نتاع le produit. يعطيك الصحة. Donc on a le business key ou surrogate key. Donc ce معناتها معناتها انا code produit هذايا c'est un code جاي من source. انا ماني dimension نقراها من source, من base données source. Donc كي نقراها من غادي نجيبها لدوني كيما موجودة في السورس ما انا نعمل اون كلي اللي هي انا في الداتا وير هاوس اون جينيرال سي ان كونتور نعملوه 29 il référencie le produit AA 56 في السورس دونك على هذاك احنا نجيبو دو كلي تو نفسركم في تي بي نشوفو في تي بي علاش لانتيغي دو ميتر لي دو دونك عندي السورس هذه لي دوني الموجودة في السورس Ou est la clé primaire que j'ai créée dans le Data Warehouse MTA. Donc, Zakru, ça m'a deux clés, le Business Key ou Surrogate Key. Donc, c'est le type où donc on écrase l'ancienne valeur par la nouvelle valeur. B, deuxième type. Donc, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Andy N, le produit MTA, il n'a pas malin, il a rien joué. Qu'est-ce que j'ai rajouté ici? Deux colonnes. Date début et date de fin. Donc, le SAR. Donc, N. On dit le produit 29. Ahawal 29. AA 56. Lapin malin. Qu'elle fait jouer le 1er janvier 2010. Ou voilà le 31 mars 2011. Date de fin Théo. Bon, bah, je vais le rayon boucherie. Le 1er avril, le jour suivant, le 1er avril 2011, ou jusque-là, date de fin, mes elfes boucherie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté deux colonnes.
colonne date début et date de fin. Wartesh l'information hédique. Maujouda, oui, Wartesh, elle n'est plus d'actualité. Donc, hédia, le deuxième type. Donc, ça m'a permis de quoi faire? Ça m'a permis d'éviter l'écrasement en terrine à l'information. Donc, dima, je garde un historique sur le produit, il est passé par quel rayon, quel lavin S. Donc, najem, nakra les différents enregistrements, lima aujourd'hui lundi. B. Donc, ça, c'est le type 2. Pour le type 3, d'accord, le type 3, qu'est-ce que j'ai fait réellement? Indi le produit AA56, lapin malin, rayon actuel joué, ancien rayon. Vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Donc, N, c'est juste une colonne, ancien rayon, nouveau rayon. Akahaou. Manarach, wartesh tchal, wartesh tbaddel mer rayon hadek. Ça, c'est le troisième type. Et en fin de compte, ça m'a le type hybride, là où il combine les deux. Je veux mettre l'ancien, le nouveau rayon, ou wartesh tbaddel date début et date de fin. Ça, c'est le type hybride. Donc, ça, c'est les trois types principaux, les dimensions à évolution lente, ou qu'on a kif-kif, ça m'a rahou les dimensions à évolution rapide. D'accord? Donc, je connais les à évolution rapide. Si la granularité temporelle des changements rejoint celle de la table des films, hein, l'évolution des données, elle est assez fréquente. Il faut alors créer une nouvelle dimension contenant les attributs concernés où tout et tout rentre dans l'ordre. Donc, tu vas prendre l'évolution rapide et les données élites badlou. Trarajom dans une autre dimension. Mais bon, qui m'a dit comme ça, c'est, on est obligé de dire ça, dans la littérature, mais vraiment rare les fois qu'on trouve un attribut à évolution rapide. Nam? C'est pas évident, madame. Hey, c'est vraiment rare, mais il faut le connaître. Il faut le connaître. D'accord? Est-ce qu'il y a une question jusque-là? C'est les choses réellement, c'est les choses les plus importantes, donc, full modélisation. Est-ce qu'il y a une question? Non, madame. Non, madame, ça va. D'accord. Bon, les mini-dimensions, bon, c'est un rôle multiple, kif-kif, bon, c'est ça, c'est les dimensions poubelles. Les dimensions poubelles, ne savoir comment écrire. Donc, ces dimensions, elles ne sont pas dans le schéma, juste pour garder, maintenant, réellement, nous ne les avons pas, nous avons des descripteurs, des flags, nous les avons pas, pour faire un certain calcul. D'accord. Mais ce n'est pas pour les utiliser en tant qu'axe d'analyse. Et donc ça c'est réellement la partie la plus importante. Donc ahna donc hedahou fil modélisation qui m'a dit comme je vais vous donner la prochaine fois, donc normalement en redoua je vais vous donner un TD à faire. Donc la partie modélisation elle est très importante. Bon, ken men al akhir jma lahadna li ma andkomch des questions, c'est bon, on passe n'adi ou le nkamlou la partie hedaya ou ntaadaw le TD. D'accord. Mais d'abord, je vais vous demander de vous. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter l'écran principal. D'accord, c'est bon.